t'en es arrivé, John? Ah, Vanina, quel calme! C'est l'endroit parfait pour composer my music! Ah, ça, on va pas déranger les voisins. Et hop! Le château n'est plus à vendre! Ah, que je suis heureux d'avoir hérité de ma chère vieille tante Agatha Mac Bubblegum. Ce château qu'elle le tenait de sa mère, qui 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 le tenait de sa mère. Heureusement que j'ai pris plein de livres, hein, maman. Parce que j'ai l'impression que je vais pas avoir beaucoup d'amis ici. Tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère, qui... Et on sait, oui, qui le tenait de sa mère. Ah non, qui l'a fait construire il y a 6 siècles. 6 siècles? Oh là là! Mais dis donc, il y a dû en avoir des morts dans cette maison. Et pourquoi pas des fantômes aussi? Ah oui! Ah non, hein? Oh, it's Evie, my darling. C'est vraiment très loin. Attendez-moi! Dis, papa, c'est pas un château hanté, alors? Ah mais non, c'est un château en pierre. Faudra faire le ménage, hein? Moi, j'aime bien comme ça. Ça fait mystérieux. Ah, j'adore cette maison! Et j'adore mes ancêtres, sans qui je ne serais pas leur descendant. Et vive les Mac Bubblegum! Araignée du soir, en pleine poire! Oh, pauvre bête! T'as cassé sa maison! Eh ben, moi, j'aime pas trop cette maison. Ah! Qu'est-ce que c'est encore? C'est juste un courant d'air, my darling. Dans les vieilles maisons, il y a toujours des courants d'air. Bon, moi, je boirais bien une tisane, là, hein? Ça m'a l'air encore bon, cette... camomille? Moi, je suis musicien. Mon truc, c'est les oreilles, pas le nez. Oh, quel désordre! Mais quelle idée de venir s'installer ici en Écosse! Oh, regarde! Il y a déjà des bols sur la table. Ah, oh, c'est inquiétant. Mmh. Les gens qui étaient là avant ont dû partir précipitamment. Oh. Il est tard. Allons nous coucher. Mais qui a remonté la pendule? Zazie, arrête de raconter des histoires à faire peur aux mamans. Allez, la tisane et dodo! Oh, Mac Bubblegum, lignée des grands hommes sur la terre d'Écosse. Tu as entendu? Ce n'est rien, c'est le plancher qui craque. Ou alors, des souris. Oh, quelle horreur! J'ai peur des souris! Tu as peur de beaucoup de choses, my darling. Tu es trop sensible. Oh, j'espère que Zazie n'a pas peur. Oh. Et le spectre aux pinces d'or entraîna la princesse dans la tombe où ils vécurent heureux et eurent plein de petits morts vivants. Ah, bah c'était une belle histoire. Je vais faire de beaux rêves. Franchement, Nagel, on n'est plus chez nous ici. Oh, bah ça c'est sûr, Cockel. On est tout le temps dérangé. Oui, presque une fois tous les 100 ans. C'est trop. Et n'empêche qu'elle est jolie, la fille. Elle est mimi, non? Oh, mimi ou pas, j'en veux pas. Les maisons hantées, elles appartiennent aux fantômes. Les vivants, ils ont qu'à aller se faire construire du neuf. Ça créera des emplois. N'empêche qu'elle est mimi, non? En tout cas, tu peux me croire, ceux-là, ça va être un jeu d'enfant de les faire déguerpir. Un jeu d'enfant, tombe, fantôme. Et en avant pour une vie de terreur. John, il y a un bruit. J'ai entendu un bruit. Mais oui, c'est ça, c'est ça.
John, les souris, ça fait ouh? Non. Et gling gling? Non plus. On dort maintenant? Bon, le vrai courage, c'est de vaincre sa peur. Vaincre sa peur, c'est pas si facile que ça. Hein. Hibou, caillou, chou, genou. Joujou. Pierre de trouille, blanc de frousse, les instruments des guerpires. Des fantômes. Dans les maisons, il faut pas y habiter, car c'est le haut. Des fantômes. C'est lui, Coquel. Et quand on n'est pas content, oh là là, pas content, on vous glace le sang, on vous glace le sang. Bravo. Mais vous êtes de vrais fantômes. Elle se moque de nous, quoi. Vas-y, essaye de me toucher. Ça chatouille. Génial. Des vrais fantômes. Moi qui avais peur de m'ennuyer toute seule ici. Je te comprends. Même quand on est deux, des fois, ici, c'est mortel. Et je sais de quoi je parle. Je suis mort. Je vous dérange pas trop, là? Oh là 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 là. Toi, je te rappelle que t'es un fantôme. T'es pas là pour rigoler, t'es là pour lui faire peur. Oui, j'adore avoir peur. Écoute-moi bien, ma petite. Ici, c'est ma maison. Et demain, toi, tes gentils parents, vous serez partis. Compris ? Hé, tu t'appelles comment ? Vavi. Oh. John, il faut que tu nous crois. Oui, papa, moi aussi, je les ai vus. Ils sont horribles, monstrueux. Ah non, pas du tout. Ils sont très gentils pour des fantômes. Ils s'appellent Cockle et Nagle. Cockle et Nagle ? Comment pouvez-vous connaître mes ancêtres Cockle et Nagle Mac Bubblegum ? Oh, je pourrais peut-être envisager de commencer un petit peu à vous croire. Moi, en tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce château hanté. Écoute, Vanina, où vous avez rêvé, où il y a effectivement des fantômes. Dans ce cas, j'appellerai Shazam l'intraitable, le célèbre chasseur de fantômes. J'ai rencontré Shazam à Edinburgh. Il est chasseur, tu peux me croire. Ouh, c'est pas gagné. Nagle, s'ils appellent un chasseur de fantômes, il n'y a plus qu'une seule solution. Oncle Bernie. Non. Si. Ça grince pas. Faudra la rouiller, cette porte. Tu sais, Cockle, j'aime pas trop venir ici. C'est plein de vieux morts. Et toi, t'es quoi, d'après toi? Je me demande comment un mort peut vivre dans un endroit pareil. Ma gueule, tu me fatigues. Ben quoi? C'est là. Oncle Bernie, Oncle Bernie, debout là-dedans. Oh. Bon, il y a personne, on s'en va. Salut, Oncle Bernie. Coco. J'ai beau le connaître, à chaque fois, ça me surprend. Moi, c'est plutôt l'odeur. Qu'est-ce que vous m'avez volé, Menadol? Alors voilà, tonton, il y a des intrus chez nous. On a essayé de les chasser, mais on n'y arrive pas. C'est des coriaces. Il faut que tu nous aides. Un peu d'exercice me fera du bien. J'ai commencé à moisir dans mon cimetière.
à tes souhaits. Oh. Merci. Oh, les vers de terre dans le nez, ça chatouille, hein? Oh. Allez, mes neveux, en avant pour la grande parade des monstres. C'était au cimetière, j'ai vu les fantômes, ils arrivent avec plein de monstres! Plein de quoi? C'est moins salissant qu'un hamster. Vous êtes d'accord alors? Oui. Oui, on habite ensemble. Youpi! Mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Je savais bien que c'était un piège. Pas quoi? Moi j'aime bien faire le ménage. Les gars, il y a de nouveaux voisins qui se sont installés dans le château d'à côté. Ça vous dirait qu'on aille leur faire peur ce soir? Sans réagir, on vous empêche de dormir et si ça suffit.